s'est produit sur le CFCA. Alors, on peut avoir quelques explications sur ce qui s'est déroulé? Merci, monsieur le journaliste. Effectivement, dans la nuit du lundi 24 au mardi 25 janvier 2022, vers 0h30, nous avons enregistré un déraillement du côté de Filou, à 2 km précisément de la gare de Filou. Déraillement d'un train en provenance de Pointe-Noire à destination de Brazzaville. Et de cet accident, qu'est-ce qui s'est passé? Dans cet accident, déjà, il faut déplorer le fait qu'il y a eu, à l'occasion de cet accident, un décès enregistré et un blessé. Tous deux des passagers clandestins. Au nom du ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande et de la Direction générale du CFCO, je voudrais présenter les condoléances les plus attristées à la famille éprouvée. Pour revenir aux circonstances de ce déraillement, sous l'afflux des eaux de pluie, il y a eu un glissement de terrain. Et ce glissement de terrain a provoqué un fossé. Glissement de terrain qui s'est produit au moment où les locomotives traversaient la zone où le glissement s'est produit. Ainsi donc, ce train avait une double traction. Il y avait deux locomotives qui conduisaient ce train. Et ces deux locomotives se sont retrouvées dans le fossé qui s'est créé à la suite du glissement du terrain. Monsieur Désir, on a entendu, c'est un train voyageur. Alors, comment est-ce que ces voyageurs se sont retrouvés là? Et avez-vous un message à adresser à ceux qui empruntent clandestinement les trains voyageurs du CFCO? C'est plutôt un train marchandise. C'est un train marchandise et qui ne devrait pas avoir de voyageurs. Malheureusement, nous le constatons régulièrement, plusieurs personnes empruntent ces trains marchandises et comme... Bien que ces trains marchandises soient d'ailleurs convoyés par des forces de l'ordre, il y a une brigade de gendarmerie qui accompagne le train. Mais malgré la présence de ces forces de l'ordre qui ne peuvent pas être sur tous les wagons, il y a des passagers clandestins qui, à leur risque et péril, empruntent ces trains. Et malheureusement, ce n'est pas le premier accident que nous enregistrons de ce type. Nous enregistrons plusieurs accidents avec parfois mort d'homme, des personnes qui tombent du train alors qu'ils y sont montés clandestinement. Et peut-être un message à l'endroit de ceux qui s'aventurent à gabarer sur les trains marchandises? Mais le message, c'est de les inviter à ne pas procéder ainsi, parce que quand ils le font ainsi, c'est au péril de leur vie, comme nous l'avons constaté cette fois-ci et comme nous l'avons constaté de nombreuses fois par le passé. Donc, il va de leur vie, s'ils veulent préserver leur vie, il convient de ne pas utiliser les trains marchandises pour voyager dans des conditions qui ne sont pas confortables et dans des conditions dans lesquelles on s'expose à des accidents parfois mortels. Merci, monsieur le journaliste. Merci, monsieur le journaliste. Okay.